La vérité sur l'islam aujourd'hui est totalement opposée au mensonge. Totalement opposée au mensonge. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur cette religion. Vous aviez l'idée qu'être musulman, c'était être terroriste, quelqu'un qui sème la terreur, une personne orgueilleuse qui prône le mal, etc. Alors si jamais c'est le cas, et que vous pensiez vraiment cela, sachez bien que vous êtes à l'opposé de la vérité. Sachez bien que vous êtes à l'opposé. Sachez bien que vous êtes à l'opposé de la vérité. Car ne vous êtes-vous jamais posé la question, comment se fait-il que de plus en plus de personnes dans le monde se tournent vers cette religion? Si elle est si horrible que vous l'imaginez, pourquoi y a-t-il de plus en plus de musulmans? Saviez-vous que le Vatican lui-même a annoncé récemment qu'il y avait aujourd'hui plus de musulmans que de catholiques dans le monde, et que donc l'islam se plaçait comme toute première religion? Croyez-vous vraiment que tous ces gens qui ont ouvert leur cœur à l'islam sont des gens qui n'ont pas réfléchi, et qui ne se sont pas posé des questions? Ou plutôt parce que la réalité s'est vraiment présentée à eux. Il est aujourd'hui plus que temps de cesser les mensonges. Pourquoi n'y croyez-vous pas? Parce que vous êtes persuadé que les musulmans sont des terroristes? Mais qui vous a dit ça? Où avez-vous entendu cela? Voilà en réalité le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, les gens confondent arabes et musulmans. Savez-vous ce que veut dire le mot musulman? La définition même du mot est « faire ce que Dieu nous demande ». Or, Dieu nous a strictement interdit de tuer. Il nous est dit dans le Coran que quiconque tue une âme injustement, ce sera comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Donc, quand vous entendez quelqu'un dire « un terroriste musulman a tué quelqu'un », déjà là, c'est impossible, puisque le mot musulman veut dire « obéir à Dieu ». Et Dieu nous interdit de tuer qui que ce soit. Donc si un arabe tue quelqu'un, cela veut-il forcément dire qu'il est musulman? Par exemple, un français n'est pas forcément un chrétien. Un chinois n'est pas forcément un bouddhiste. Ne confondez pas arabe et musulman. Tous les arabes qui sèment le mal sur terre seront punis comme les autres. N'oubliez pas la parole du prophète. Un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est pas supérieur à un arabe. N'importe qui peut être musulman. Et ces personnes-là ne font pas le mal. Un musulman est quelqu'un qui a l'obligation d'aider son prochain, de nourrir le pauvre, de ne jamais faire de mal, de ne pas se mettre en colère, de pardonner toujours les autres, de remercier Dieu de ce qu'il nous donne. Ouvrez vous-même le Coran. Où voyez-vous qu'il nous est demandé de tuer? Où voyez-vous qu'il nous est dit de faire du mal? Beaucoup de gens pensent aussi que les femmes sont soumises à leur mari, alors que ceci est absolument faux. Avant que le prophète Mohammed arrive, les hommes se payaient des femmes, les utilisaient, ils les croyaient inférieures, et lorsque le prophète est arrivé, il a aboli tout ça, en expliquant bien clairement que la femme est l'égale de l'homme, ni inférieure, ni supérieure. Où voyez-vous dans le Coran que celle-ci doit être soumise? En vérité, le prophète Mohammed a dit « Parmi les meilleurs d'entre vous, ce seront ceux qui prendront soin de leur femme. » Alors vous me direz peut-être « Oui, mais on voit des gens qui ne font pas ça, qui ne respectent personne. » Eh bien oui, cela est vrai. Mais ça, ce n'est pas l'islam. Ce sont ce que les gens en font. Ils ne suivent pas toujours bien les lois peut-être, mais ne vous dites pas que c'est ce que Dieu a demandé. Aujourd'hui, les ignorants jugent une religion en se basant exprès sur les arabes qui font n'importe quoi pour vous faire penser que c'est cela l'islam. Vous ne vous rendez pas compte que vous vous faites manipuler. Êtes-vous déjà allé dans une mosquée, voir vraiment qui sont les vrais musulmans? Allez faire le test.
vous serez vite surpris de voir que toutes vos suspicions sont totalement fausses. Car vous trouverez chez les croyants une vraie fraternité, des gens qui ont le sourire. Car c'est là le message de l'islam. Car c'est là le message de l'islam. Le message de l'islam. Le message de l'islam. Dieu nous a dit, rien qu'un sourire est déjà là une aumône. Si aujourd'hui autant de gens se tournent vers l'islam, c'est qu'ils se sont rendus compte que entre ce qui est raconté et la réalité, c'est tout à fait d'un extrême à l'autre. Utilisez votre logique. Vous savez pertinemment que Dieu nous demande forcément de ne faire que le bien. Beaucoup de gens aujourd'hui ne respectent plus personne, que ce soit leurs amis ou même leurs parents. Alors qu'il nous est dit, chapitre 17, verset 23, « Garde-toi de marquer la moindre répulsion à l'égard de tes parents ou de leur manquer de respect. Parle-leur toujours affectueusement. » Alors quoi? C'est ça l'islam? Être poli, respecter tout le monde, être généreux? Alors dites-moi, mais où est le mal? Qu'est-ce qui vous gêne en fin de compte? Ce sont toutes ces personnes arabes qui sèment le bazar et qui se disent être musulmans? Mais cela est absolument faux. On ne peut pas vraiment les qualifier de musulmans. Le prophète Mohammed a dit, « Vous ne serez pas vraiment musulmans du moment que vous n'espérez pas pour votre frère ou votre sœur ce que vous espérez pour vous-même. » Et là, on ne parle pas des frères ou sœurs de sang, mais de tout le monde. Vous ne serez pas vraiment musulmans du moment que vous n'espérez pas pour autrui ce que vous espérez pour vous-même. Vous pensez qu'être musulman va tout changer? Que votre vie ne sera plus la même? Mais en réalité, qu'est-ce que cela va-t-il changer? Vous croyez que vous n'allez plus avoir de liberté? Bien au contraire. Vous pouvez toujours vous marier, partir en voyage, acheter une maison, avoir des enfants, vous amuser avec vos amis. Mais en plus de cela, vous allez vous efforcer d'être le meilleur pour les autres, d'inciter les gens à faire le bien, parce qu'à chaque instant, peu importe où vous êtes, vous savez que Dieu vous regarde. Il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Ne voyez pas des contraintes ou des obstacles, car cela est totalement faux, à moins que selon vous, être quelqu'un de bien est une contrainte. Dans le Coran, Dieu nous a dit « Nulle contrainte en religion ». Vous savez qu'en réalité, vous passez votre temps à acheter des objets de luxure qui bien souvent ne servent à rien, alors que vous pourriez nourrir des gens qui souffrent vraiment. Vous passiez vos soirées en boîte de nuit, sous alcool, ou parfois l'un de vous finit bourré et vomit partout. Ou une fois cela se termine par un accident sur la route au retour. Ou une fois vous couchez avec cette fille, et le lendemain vous ne vous souvenez même plus ce qui s'est passé. Et parfois même vous recevez plus tard un coup de fil pour vous dire que cette fille est tombée enceinte. Ne vous rendez-vous pas compte qu'il y a là un problème? Que la société d'aujourd'hui vous pousse à consommer? Quel chemin allez-vous choisir? Le chemin du mensonge, qui est « j'ai qu'une vie, je profite, je bois, je fume, je me drogue, je passe 5 heures par jour sur internet à perdre mon temps » ou le chemin de Dieu, c'est-à-dire chercher à aider et à faire le bien? Coran chapitre 9, verset 71, « Les croyants, hommes et femmes, sont solidaires les uns des autres. Ils encouragent au bien et déconseillent le mal. Les musulmans se soucient sans arrêt d'aider les nécessiteux, et nous savons qu'il y a là une grande récompense. » Notre prophète nous a bien précisé, l'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Depuis que le premier homme a posé le pied sur la terre, l'islam était là également. Et tous les prophètes ont prôné la même religion. Ne vous êtes-vous jamais posé la question, pourquoi les noms de religion prennent souvent le nom de quelqu'un? Par exemple, Jésus-Christ, le christianisme. Judaïsme pour Judas, bouddhisme pour Bouddha, etc. Mais pas l'islam. Le mot islam a deux significations. Il veut dire « faire ce que Dieu nous demande » et aussi « la paix ». Si l'on revenait à l'époque de Jésus et qu'on lui demandait « Ô Jésus, quelle est ta religion ?» Croyez-vous qu'il vous dirait le christianisme? Non, car il n'a jamais entendu ce mot. Le christianisme est venu suite à lui. La réponse la plus probable qu'il dirait est « Ma religion est de faire tout ce que Dieu m'a commandé de faire ». Et quelle religion signifie cela? L'islam. Idem pour Moïse, si on avait l'opportunité de lui demander « Quelle est ta religion ?» Jamais il ne répondrait le judaïsme, car lui non plus n'a jamais entendu ce mot. Mais la réponse la plus probable serait « Ma religion est de faire tout ce que Dieu attend de moi ». Et une nouvelle fois, un mot pour dire cela en arabe est « l'islam ». Vous avez vu dans la saison 1 que toutes les religions ont toujours délivré le même message. Et Dieu nous l'a reconfirmé dans le Coran. Mais malheureusement, il y a eu des innovations dans beaucoup de choses. Et c'est pour cela que tous les prophètes ont annoncé la venue du dernier messager qui rétablira bien sur la terre la vérité sur la religion de Dieu. Comme par exemple, lorsque Jésus a prédit l'arrivée du prophète Mohammed dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 16, verset 13, en disant « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. » Et dans le Coran, que nous est-il dit? Mohammed ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée.
Êtes-vous déjà allé à la messe un dimanche? Ne vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi les églises sont pratiquement vides aujourd'hui? Vous trouverez peut-être quelques personnes âgées, mais la plupart des gens aujourd'hui délaissent la religion. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs, que les gens changent les lois de Dieu. Par exemple, il y a encore 50 ans, il était interdit de brûler les corps des défunts dans le monde chrétien. Mais depuis quelques années, le pape a autorisé cela. Ils se permettent de changer sans arrêt ce que Dieu a demandé. Alors que Jésus a bien précisé dans l'évangile selon saint Matthieu que celui qui supprimerait ne serait-ce qu'un seul des plus petits commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Les gens se perdent car ce n'est plus là vraiment la religion de Dieu. Par contre, faites un jour le test. Allez dans une mosquée à la prière du vendredi. Vous les trouverez tellement pleines qu'il n'y aura presque plus de place. Parfois, les gens prient même dehors, tellement les mosquées regorgent de monde. Les autres religions n'ont presque plus de pratiquants. Et d'ailleurs, Dieu nous a dit, certes, l'erreur est destinée à disparaître. Il y a trop d'incohérences. Par exemple, les chrétiens croient en l'Ancien Testament, et donc en Moïse. Mais dans la Torah, il est bien dit comme dans le Coran qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Alors que pour les chrétiens, Dieu est trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la fameuse Trinité. Mais alors, Moïse n'a jamais parlé de ça? Donc quoi, Moïse se serait-il trompé? Bien sûr que non. Et Jésus n'a jamais parlé de ça non plus. D'ailleurs, le mot Trinité n'apparaît nulle part dans la Bible. Ce ne sont que des erreurs. Nous ne disons pas que la Bible, la Torah ou toutes les autres religions sont fausses. Nous disons simplement qu'à présent, elles ne sont plus fiables dues à toutes les modifications qu'elles ont reçues des humains. Et que pour être sûr de suivre la vérité, eh bien suivez ce que vos prophètes vous ont dit. Suivez le dernier messager qui vous guidera dans toute la vérité. Car aujourd'hui, seul le Coran reste indemne depuis le jour de sa révélation. Qu'est-ce que l'islam? La religion de Dieu. La vraie religion. La religion de paix. Ne restez pas dans le mensonge. Renseignez-vous par vous-même si vous avez des doutes. Demandez à Dieu de vous guider, et les doutes vont être levés. Les doutes vont être levés. Les doutes vont être levés.